Dieu veut que tu sois pur. Tu ne peux pas, bien aimé, monter dans la montagne de Dieu n'importe comment. Comme nous avons lu, bien aimé, dans le psaume 24 ce matin. Nous avons lu dans le psaume 24. Je veux lire ça rapidement pour vous, pour ceux qui n'étaient pas là. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. C'est lui qui ne jure pas pour tromper, bien-aimé. La parole de Dieu déclare qu'il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Oh, bien-aimé, lorsque tu as les mains pures, bien-aimé, Dieu te bénira. Lorsque tu as les mains pures, bien-aimé, Dieu te fera miséricorde, bien-aimé. Tu ne peux pas monter dans la présence de Dieu n'importe comment, parce que ton Dieu est saint, parce que ton Dieu est pur, bien-aimé, et Dieu est le péché. Tu ne peux pas monter, bien-aimé, dans sa présence n'importe comment. Tu vas demander à Dieu pardon, bien-aimé, parce qu'il dit dans sa parole que qui pourra monter, qui pourra monter, qui pourra monter. On dit que c'est celui-là qui a les mains pures. C'est celui, bien-aimé, qui a le cœur pur. Bien-aimé, regarde un peu ton cœur. Peut-être il y a encore la calomnie. Regarde un peu ton cœur, bien-aimé. Peut-être que tu es encore dans le mensonge. Tu es encore, bien-aimé, dans les fraudes, bien-aimé. Regarde un peu ton cœur, bien-aimé. Si tu es encore dans l'impudicité, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, bien-aimé, tu es dans l'idolâtrie, idolâtrie, idolâtrie. Dieu est, bien-aimé, l'idolâtrie à cause de l'idolâtrie. Il peut même maudire ta famille, bien-aimé. Il va maudire ta génération à cause de l'idolâtrie. Et lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie, il maudit jusqu'à la quatrième et la cinquième génération. Bien-aimé, réponds-toi, toi qui es dans l'idolâtrie. Bien-aimé, réponds-toi, toi qui as mis Dieu à part. Et tu as pris autre chose, bien-aimé. Cette chose-là commence à occuper la place de Dieu. Peut-être même c'est une personne, bien-aimée, qui occupe la place de Dieu. Tu préfères plaire à cette personne, bien-aimée, et tourner le dos à Dieu. Tu préfères plaire aux humains, bien-aimés. Tu préfères, bien-aimé, que les humains t'applaudissent. Même si, bien-aimé, tu vis dans le péché. Tu as peur, bien-aimé, peut-être d'une femme. Tu as peur, bien-aimé, peut-être d'un homme. Tu t'es dit que si je marche dans la sanctification, cette femme va m'abandonner. Cet homme va m'abandonner, bien-aimé. Sache que tu deviens idolâtre. Tu commences à aimer un homme. Tu commences à aimer une femme plus que Dieu. Et Dieu punit l'idolâtrie, bien-aimé. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Toi qui es toujours dans la calomnie, tu dois te repentir. Toi qui fais que parler mal des autres, bien-aimés, dans le but de détruire leur réputation. On t'a confié des secrets, bien-aimés, mais tu divulgues ça partout dans le but, bien-aimés, de détruire cette personne. Toi qui fais des complots contre ton prochain, bien-aimés, réponds-toi. Toi qui es dans le mensonge, tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir. Dans ta langue, bien-aimé, il n'y a que des mensonges qui sortent, bien-aimé. Réponds-toi, demande à Dieu pardon, que Dieu puisse te pardonner, parce que ton cœur doit être pur, tes pensées doivent être pures. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies, bien-aimé, pour obtenir la miséricorde de Dieu, parce que ça ne te servira à rien de demander à Dieu pardon. Mais si tu refuses d'abandonner le péché, ça ne te servira à rien, bien-aimé, de demander à Dieu pardon. Mais si tu es toujours dans l'idolâtrie, certaines personnes même, c'est le mari qui prend la place de Dieu. C'est la femme qui prend la place de Dieu. Tu préfères ne pas prier parce que ton mari ne veut pas que tu pries. Tu préfères ne pas prier parce que ta femme, la femme ne veut pas que tu pries, bien-aimé. Le jour de jugement, ton mari ne sera pas avec toi. Le jour de jugement, ta femme ne sera pas avec toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que nous devons nous préparer car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Arrête de plaire aux hommes. Arrête, bien-aimé, arrête de plaire aux hommes. Parce que cet homme-là, tu cherches à plaire à cet homme. Tu cherches à plaire à cette femme, bien-aimé. Peut-être que même tu vas mourir demain et tu iras en enfer. Et lui, cette personne, peut-être, elle va rester et va se convertir. Elle ira au ciel, bien-aimé.
et tu vas gâcher ta vie, tu vas gâcher ton éternité pour faire plaisir à un homme. Tu vas gâcher ton éternité pour faire plaisir à une femme bien-aimée. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir, bien-aimé. La tribulation approche. Tu dois te repentir, bien-aimé. Dieu a, il a pris la décision de frapper ceux-là qui vont continuer à suer leur corps. Dieu a pris la décision de frapper ceux-là qui seront toujours dans l'occultisme, bien-aimé. Dieu a pris la décision de frapper ceux-là qui se disent de ses serviteurs, ton Dieu. Toi qui as fait de cette servante ton Dieu bien-aimé, mais peut-être que cette servante est dans l'idolâtrie, peut-être que cette servante bien-aimée est en train de se prosterner devant des taureaux, devant des lions bien-aimés, et tu pries au nom de ses serviteurs, tu pries au nom de cette servante bien-aimée, réponds-toi. C'est ce qu'on appelle idolâtrie. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ. Dans tes prières, tu dois élever le nom de Jésus-Christ. Pas le nom d'un serviteur de Dieu. Pas le nom d'une servante de Dieu. Bien-aimé, parce que tu ne connais pas aussi son cœur. S'il est dans la magie, si elle est dans la magie, bien-aimé, et toi et cette servante, vous allez vous retrouver en enfer, bien-aimé. Vous devez vous repentir. Que Jésus-Christ prenne la place. Que Jésus-Christ prenne la place dans vos cœurs. Que seul Jésus-Christ soit élevé dans vos vies. Que seul Jésus-Christ soit élevé, bien-aimé, dans vos foyers. Que seul Jésus-Christ soit élevé dans vos maisons. Par le nom des serviteurs de Dieu. Par le nom des servantes de Dieu, bien-aimé. Tout ça, on appelle ça l'idolâtrie. Petit à petit, bien-aimé, on est en train de chasser le nom de Dieu dans les assemblées. On est en train de chasser le nom de Jésus-Christ dans les assemblées. Et vous, le peuple de Dieu, vous, le peuple de Dieu, vous acceptez cela et vous commencez à vous prosterner même devant les serviteurs de Dieu. Vous vous mettez à genoux devant des humains bien-aimés. Et ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie. Dieu ne veut pas cela, bien-aimé. Dieu ne veut pas cela, bien-aimé. Vous devez vous repentir devant Dieu. Parce que lorsque la tribulation arrivera, Dieu va vous frapper. Vous qui êtes dans l'idolâtrie, Dieu va vous frapper. Il ne blague pas, bien-aimé. Au temps de Noé, c'était pareil. Dieu parlait. Mais les gens se sont moqués de Noé. Dieu parlait, bien-aimé. Les gens se sont moqués de lui. Mais ils ont eu leurs conséquences. La conséquence, c'était la mort. Une mort sans repentance, bien-aimé, conduit en enfer. Une mort sans repentance, bien-aimé, vous conduira en enfer. Alléluia. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir, bien-aimé. Tu dois te repentir, bien-aimé. Tu dois te repentir devant le Seigneur. Tu dois te repentir devant le Seigneur, bien-aimé. Ne blague pas avec ton éternité. Ne blague pas avec ton éternité, bien-aimé. Ne blague pas avec ton éternité. Jésus-Christ revient bientôt. Ne blague pas avec ton éternité. Jésus-Christ revient bientôt. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché, bien-aimé. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Abandonne, bien-aimé, la calomnie. Abandonne la médisance. Sors de la distraction, bien-aimé. Sors dans les divertissements. Dieu avait frappé le peuple d'Israël à cause des divertissements bien-aimés. La parole de Dieu déclare, « Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu ?» Celui qui aime le monde bien-aimé s'est fait ennemi de Dieu. Tu vas demander à Dieu pardon. Que Dieu puisse te pardonner. Que Dieu puisse pardonner l'idolâtrie. Que Dieu puisse pardonner le mensonge. Que Dieu puisse pardonner la haine. Que Dieu puisse pardonner la calomnie. Que Dieu puisse pardonner, bien-aimé, tu connais tes péchés. Détourne-toi de tes mauvaises voies. La tribulation arrivera, bien-aimé, peut-être ce soir, on ne sait pas. Peut-être demain, on ne sait pas.
Lorsque Corona, bien-aimé, est arrivé, personne ne le savait. Personne ne le savait. Personne ne le savait, bien-aimé. On s'est réveillé juste un jour. Dans les infos, on a commencé à nous parler de ce virus, bien-aimé, qui a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens, y compris des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des parents, beaucoup de gens sont partis. Et lorsque Dieu dit que ce qui arrivera, ça sera plus que ça. Plus que ça, bien-aimé. Tu ne prends pas ça à la légère. Tu ne prends pas ça à la légère, bien-aimé. Tu ne prends pas ça à la légère. Je suis moi-même servante de Dieu. Mais je ne peux pas prendre la place de Dieu dans vos cœurs. C'est Jésus-Christ qui doit occuper la place dans vos cœurs. Parce que nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des humains, bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être élevé dans nos foyers, dans nos vies, dans nos cœurs. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont posé, bien-aimés, les fondements de la vie chrétienne, c'était des apôtres. Et les apôtres ont travaillé au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont guéri au nom de Jésus-Christ. Ils ont prié au nom de Jésus-Christ. Ils nous ont laissé, bien-aimés, ces fondements-là. Le modèle que nous devons suivre. Prions.